et à toutes, c'est Cannibal18 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a pas vraiment pour thème les jeux vidéo. En fait, c'est plus une vidéo sur des explications. Pendant cette vidéo, je vais construire quelque chose, mais n'y prêtez pas vraiment attention, c'est plus pour faire quelque chose. Et donc, en fait, c'est des explications surtout sur mon pseudo. Et les pseudos, plutôt. Parce que vous l'aurez peut-être remarqué, mais pour j'utilise différents pseudos. Et ça va sûrement vous perturber, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour qu'il n'y ait plus aucune question. Donc si vous avez encore des questions après, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, évidemment. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que mon premier pseudo, mon pseudo sur YouTube, c'est Selvis. Bon, mon pseudo principal, tout ça. Sauf que pour me trouver sur YouTube, vous avez peut-être essayé, c'est... Il faut pas taper Selvis, il faut taper Gorgonil. Voilà. Ça, c'est... Ça fait à peu près deux pseudos de fait déjà. Or, vous l'aurez peut-être remarqué, mon pseudo sur Minecraft, c'est Cannibal18. Comme c'est écrit dans le chat. Et donc, ça, en fait, c'est pas mon pseudo, c'est celui de mon frère. Car on a acheté Minecraft à peu près avec. Enfin, avec le même compte, tout ça. Bon, bref, voilà. D'ailleurs, je précise, je compte bientôt réacheter Minecraft avec mon pseudo, Selvis, tout ça. Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que pour me trouver donc sur YouTube, il faut taper Gorgonil. Mais Gorgonil, c'est pas que mon nom sur YouTube. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez trouver Gorgonil sur YouTube. Enfin, vous allez pas trouver Gorgonil sur YouTube. De chaîne avec le nom Gorgonil. Vous allez trouver donc Selvis. C'est pour ça que là ça commence un peu à devenir un peu plus compliqué. Donc, une fois que vous m'avez trouvé, vous regardez vidéo, vous faites ce que vous voulez avec ma chaîne. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout ça. Et ouais, en fait, je sais pas vraiment non plus quoi dire. Désolé. J'essaie de vous expliquer tout du mieux que je peux, mais le truc c'est que je sais pas non plus quoi expliquer vraiment. Donc, j'ai essayé d'expliquer le maximum de choses. Alors. Je joue aussi à beaucoup d'autres jeux. Exemple Blablaland, Dofus, Wakfu, un peu moins mais quand même. Y a quoi d'autre? Y'a. Y a Terraria, Cube World. Il y a quoi d'autre? Cube World, Terraria, Full Dofus, Minecraft évidemment, Blablaland. Ouais. Bon. Mais il y a aussi des variantes de mon nom. Car je vais pas tout le temps utiliser le même pseudo. Sinon ce serait trop simple. Donc, en variance, il y a Selvens, plutôt simple, reconnaissable, tout ça. Il y a Lokio, qui est plutôt différent, on va dire. Lorio aussi.
Ouais, Lokio avec. Ouais, ça va être écrit de toute façon. Il y a quoi d'autre? Donc il y a Gorgonil aussi, ça c'est surtout sur Dofus là que je vous parle. Selvent, Selros. Ouais, je crois que c'est tout. Donc, ouais. Oui, d'ailleurs aussi j'en profite pour faire un peu un genre de mini programme de mes futures vidéos. Donc je vais continuer la série sur Nostal, même si ça fait un petit moment quand même que j'ai pas posté d'épisode, c'est normal. C'est juste que j'attends Arksoft encore. Et voilà. Et du coup, ouais, ça fait qu'on peut pas. On est un peu, je suis un peu bloqué là. Pour un petit moment, je pense. Le temps qu'il soit disponible. Et que moi aussi d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas le même emploi du temps. On est au collège. Je vais continuer les épisodes où je suis sur Skype avec Nikki. Enfin, Nike, Nikki, tout ça. Sur Terraria. Ouais, je vais faire je vais bientôt poster la première partie d'un film court-métrage sur Blablaland. Avec des acteurs que vous verrez dans le générique, parce qu'il y en a qui ont tenu à l'anonymat, d'autres pas. Il y a aussi. Ouais, pas beaucoup d'autres choses. On va faire encore aussi quelques vidéos détente un peu avec Airsoft aussi. Je pense. Du PVP aussi, du PVM. On a un pote qui est en train de fabriquer une map aventure. Donc on va la faire dès que. Dès qu'il aura terminé. Et qui nous aura autorisé, bien entendu, à faire tout ça parce qu'il est un peu timide. Ouais, il y a quoi d'autre? Je compte faire aussi d'autres tutos un peu sur Blablaland, sur les mini-jeux. Des tutos Minecraft aussi, un peu. Et je pense que c'est tout. Donc on se retrouve juste après là. Pour quand j'aurai fini ce mini parc d'attraction. Pas très attractif. Ouais, c'est surtout un parcours, je dirais. Ouais, on se retrouve juste pour faire ce parcours. Alors, ici, ça va être. Donc, à tout de suite. Alors, retour au monde. J'ai fini ma construction de ma course un peu. Et, en fait, on a mis là. J'ai mis là plutôt. 6 stacks d'œufs de zombies. Donc, 6 stacks de zombies. Qui vont spawn dans un instant. C'est sûr que si j'oublie de prendre la redstone, assez de redstone pour tout, ça va pas le faire. Et en fait, je vais devoir faire le parcours pour arriver à la fin. Avec pour seule arme cette Golden Apple. Voilà. Voilà. Avec donc pour seule arme cette Golden Apple. Et je vais pouvoir échapper à ces zombies. Mais voilà, donc si je fais ça, c'est sûr que ça va. Alors, on met le coucher de soleil.
mon texture pack, c'est... Ah, ça commence par corps. Bon, bref, à la fin du parcours d'ailleurs, il va y avoir une épée en diamant et un stuff en chainmail. Je crois qu'il y en a. Je crois qu'on peut ouvrir la porte aux zombies et fuir. Si les zombies nous rattrapent, c'est la fin. J'espère ne pas perdre ici. Hop. D'où l'utilité de la Golden Apple. Hop. J'espère que je vais pas mourir. Ah, je suis mort. Mais je vais recommencer. Bon, on va dire que j'ai passé l'épreuve du plongeon. Parce que sinon, on va y être encore demain. Hop. Ah, les cactus. Bon, c'est plutôt court. Mais vu que je suis poursuivi par cette horde de zombies assoiffés de moi. C'est énorme. Il y a beaucoup de zombies, j'ai l'impression. Donc voilà, mon but c'est de leur échapper. Et pour ça, je me suis mis aussi des toiles d'araignée pour m'en empêcher. Parce que ça, je viens de le faire là à l'instant, vous m'avez vu le début de la construction. Ah, mais méchant, zombie, méchant, méchant, très méchant. Donc voilà. Le fameux stuff dans la clair en feu. Mais ah, méchant zombie, méchant, méchant, très, très méchant zombie. Et voilà. C'est énorme. Donc mon stuff est parti en fumée, littéralement. On va essayer de se cacher ici. On va tuer ce poule, puis après s'il passe pour nous deux. Pendant que les zombies se font assassiner par des cactus. C'est la fête en fait, hein. Il y a un coup, des zombies. C'est énorme. Allez hop, on va se mettre en créatif. Et on va admirer ça. Il y a encore des zombies qui sortent. C'est... Ah ouais, parce qu'en fait là-dedans il y en a encore plus. Mon dieu, mon dieu. Non, mais c'est pas qu'il y en a encore dans les dispensers. C'est bon, il n'y en a plus. Moi, c'est déjà ça. On va arrêter le système. On va faire une fontaine à zombies. Non, raté. Tous les zombies m'en veulent. Et ouais, d'être en survie. On va voir combien on peut en tuer. Donc là, ça fait 1. Okay.
on se fait assaillir. Et une armée de zombies là en rang. Ouais, hein. Mais c'est parce qu'on a one shot. Bon, ben on va se dire au revoir sur cette marée de zombies. Ah, au secours! Ne tuez pas! J'ai rien fait, on peut être amis! Ça c'est mon super perso. Non, on va essayer de les tuer. Ah là, ils piquent tous des sprints. Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Pour un peu accélérer le processus, parce que combien de temps je peux survivre. Hop, on a beaucoup 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 de rotten. Bon ben on va se dire au revoir sur cette scène de meurtre. Et à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker ou même mieux encore à vous abonner ou à lâcher un com. N'hésitez pas non plus à vous abonner aux chaînes Darksoft 40, Sneak Nike. Ouais, tout ça, tout si. Et on se dit à la prochaine. Allez, à plus.